Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce lundi 21 octobre 2019. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée aux relations entre l'Afrique et la Russie. Mais on va commencer par quelques nouvelles. La première concerne aujourd'hui la rencontre du président Abdel Fattah al-Sisi avec le chef du conseil des ministres koweïtien, Cheikh Jaber Mohamed al-Mubarak al-Sabah, et la délégation qui l'accompagne. Cette rencontre a eu lieu pour discuter des relations bilatérales très distinguées entre l'Égypte et le Koweït et des projets d'intérêt commun. Le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, a également reçu aujourd'hui la délégation koweïtienne et a assisté à la signature d'un important accord concernant les projets de développement conjoint entre l'Égypte et le Koweït. Aussi, concernant les activités de la deuxième édition de la Semaine de l'eau, se sont poursuivies aujourd'hui au Caire pour la deuxième journée consécutive et se poursuivront jusqu'au 24 octobre sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi intitulé « Faire face à la pénurie d'eau ». Les événements d'aujourd'hui incluent la convocation de la deuxième réunion du Conseil de l'eau de l'OCI, organisée conjointement par l'OCI et le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation afin de renforcer les mécanismes de coopération entre les États membres de l'OCI pour résoudre les problèmes liés à l'eau. La réunion vise à suivre les efforts et les progrès réalisés à cet égard, en plus d'aider les États membres à mettre en œuvre leur stratégie nationale dans le domaine de l'eau. Céline Hamed et Mohamed Al-Homsa. Les cérémonies inaugurales de la deuxième édition de la Semaine de l'eau du Caire ont commencé en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et d'autres ministres responsables concernés. Cette édition, tenue du 20 au 24 octobre, est placée sous le thème « Réagir à la pénurie d'eau » en vue de souligner l'importance d'enrever la question de l'eau pour les communautés arabes et régionales. Cinq axes seront examinés au cours de la semaine, dont les moyens de lutter contre les changements climatiques, les moyens d'atteindre les objectifs de développement durable à la lumière de la pénurie d'eau, ainsi que les recherches et créations appelées à faire face à la pénurie d'eau. Par ailleurs, le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré que la pénurie d'eau en Égypte était le défi fondamental à relever, raison pour laquelle la thématique de la deuxième édition de la Semaine de l'eau. Le chef du gouvernement a affirmé que nombre de régions ne pouvaient pas atteindre les objectifs de développement durable en raison des grands défis climatiques à relever, exigeant une conjugaison des efforts mondiaux en vue de mettre en place des stratégies et des plans adéquats en la matière. M. Madbouli a évoqué l'impact de la pénurie d'eau sur les fleuves, les citoyens, les quantités d'eau disponibles, ce qui soulève de nombreuses questions sur la fourniture d'eau et de nourriture. Le secteur agricole sera le premier à être impacté par cette pénurie, étant donné qu'il est le plus grand consommateur en la matière, a fait savoir le Premier ministre, rappelant que plusieurs pays de la région partagent avec d'autres les mêmes sources d'eau et soulignant à cet égard l'importance que les pays riverains coopèrent avec respect en fonction du droit international. Passons aux relations entre l'Égypte et la Russie et l'Afrique, riche de sa relation passée avec le continent africain et poussée par les embargos occidentaux contre son économie. La Russie a récemment multiplié les opérations de séduction pour marquer son grand retour en Afrique. Céline Hamed et Mohamed Al-Homsani nous donnent plus de détails. «
Petit à petit, la Russie fait son chemin en Afrique. En 2018, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait effectué une grande tournée en Afrique australe et centrale. Il avait successivement visité l'Angola, la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Éthiopie. Peu après, Vladimir Poutine a annoncé l'annulation de 20 milliards de dollars de dettes contractées par des pays africains auprès de Moscou. Puis des accords militaires ont été conclus avec la RD Congo, l'Éthiopie et le Mozambique. Moscou a passé ces dernières années plusieurs accords de défense en proposant assistance et matériel militaire à une liste non exhaustive des pays africains. Dès 2016, cette stratégie d'influence avait été théorisée dans un document de politique extérieure. La Russie élargit sa coopération avec les États africains sur une base bilatérale et multilatérale en développant des relations économiques et commerciales mutuellement bénéfiques, en instaurant une coopération globale et en contribuant à prévenir les conflits régionaux et les situations de crise ainsi que les règlements post-conflit en Afrique. Suite à une première tournée en 2006 qui avait mené Vladimir Poutine en Algérie, puis en Afrique du Sud et au Maroc, la Russie a réaffirmé depuis ses relations avec les 20 principales économies africaines. Prudente depuis 2011 vis-à-vis des pays d'Afrique du Nord, congestionnés par leur situation sociopolitique, la Russie est revenue en force en 2013 en Égypte. La Russie est rassurée par ses positions dans la région, partenariat historique et militaire avec l'Algérie, accords économiques avec le Maroc et la Tunisie, renouvellement et renforcement de la relation avec l'Égypte, un travail à présent pour un ancrage stratégique en Afrique subsaharienne. Aussi, depuis le début de l'ère coloniale jusqu'à nos jours, l'Afrique reste un continent convoité par toutes les grandes puissances, parmi lesquelles comptent de nombreux États membres de l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et bien entendu la Russie. Un commentaire et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir. La Russie a tissé des relations très étroites avec de nombreux pays du continent africain. Les intérêts stratégiques étaient avant tout d'ordre idéologique, mais également économique. L'activité internationale des entreprises russes en Afrique est le vrai moteur de l'implantation russe. La particularité de la Russie, tout comme celle de la Chine, est qu'elle se fait aujourd'hui dans le cadre plus large de la coopération des BRICS. La Russie se situe au deuxième rang mondial en termes de nombre de projets menés en Afrique du Sud, mais au cinquième rang en termes de volume d'investissement. C'est-à-dire que la coopération est amenée à croître ces prochaines années. Lorsqu'on envisage plus largement les relations entre les pays d'Afrique et la Russie, une distinction doit être faite entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Lors du dernier sommet des BRICS qui s'est déroulé à Johannesburg en juillet 2018, le président russe a évoqué l'idée d'un sommet russo-africain rassemblant l'ensemble des dirigeants du continent et lui-même. En effet, la Russie entend bien revenir sur un continent où sa présence a souvent été fluctuante. Même dans les années 1970, apogée de l'emprise soviétique en Afrique, cette présence a été épisodique, à de rares exceptions, près comme en Algérie, en Libye ou en Angola. Nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons tout de suite entamer notre partie débat qui concerne les relations entre l'Afrique et la Russie, et bien entendu l'Égypte à leur tête. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Esmaïl Hemed, historien et écrivain. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, parlant de l'Afrique et la Russie, est-ce que cette histoire date depuis longtemps ou bien c'est une histoire quand même assez récente? Merci pour l'invitation. Normalement que la Russie s'est considérée comme un joueur un petit peu récent qui a beaucoup d'envie, beaucoup de vouloir de jouer un rôle très fort pour l'Afrique et aussi à l'imitation des autres grands pouvoirs du monde et les pouvoirs traditionnels qui jouaient des rôles très importants en Afrique. Alors la France principalement, l'Angleterre, la Chine et les États-Unis. Encore, il y a aussi des autres joueurs, mais plus anciens, pendant ceux qui jouaient alors
la partie impériale au début, avant la France et l'Angleterre. On parle bien sûr de Portugal. Portugal a joué le rôle qui a fait l'introduction pour l'Afrique et qui a attiré l'attention pour les autres pays européens pour aller en Afrique par rapport à l'exploitation, par rapport à la route désertique du commerce. Ça, ce qui était très connu, qui relie le nord de l'Afrique avec l'ouest africain, après par rapport au reste de l'Afrique, le centre de l'Afrique et l'est de l'Afrique. La Russie, bien sûr, a voulu de faire une imitation de, aussi des autres sommets, le sommet américain avec l'Afrique, le sommet aussi français avec l'Afrique, comme ça. Et je pense aussi que la Russie a bien exploité le moment. Parce que le lien entre l'Égypte et la Russie, ça c'est très ancien. Oui, ça c'est. On va reparler de ça tout à l'heure. Oui, comme ça. Et je pense que la Russie a voulu de profiter de la position de l'Égypte par rapport au lien bilatéral de la Russie et l'Égypte, et en même temps le lien entre l'Égypte et l'Afrique. Bah, l'Égypte, c'est le plus grand pays africain. Bien sûr par rapport à la population, par rapport à beaucoup de choses, économiquement, à un pays avec beaucoup d'histoire. Donc la Russie a voulu dans ce moment, quand l'Égypte est la présidente de l'Union africaine, donc elle veut rassembler tous les pays africains, les 54 pays, d'être présents là-bas à Sochi pour le sommet. Donc vous parlez qu'actuellement la Russie, elle prend un petit peu avantage de la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine pour s'ingérer, oui. On ne va pas dire s'ingérer, mais plutôt pour avoir des relations plus étroites avec les pays africains. Oui, c'est ça. C'est ça, ça c'est. Elle profite de ça principalement. C'est pour profiter le lien l'Égypte et la Russie. Donc l'Égypte, c'est... Sur quel domaine? Comment la Russie peut-elle profiter? Sur le plan économique, vous normalement, vous parlez le domaine politique et économique. On peut pas séparer les deux, parce que les deux, bien sûr, se servent les uns avec les autres. La politique, bien sûr, sert bien avec l'économie. Et aussi, à l'inverse, l'économie, ça sert bien pour la politique. Donc, mais normalement, que toujours pour jouer avec l'Afrique, on doit commencer avec l'économie. Mais est-ce que vous pensez que les pays africains ont aussi intérêt à approfondir leurs relations avec la Russie? Logiquement, bien sûr, on doit faire des variétés de relations pour ne pas faire une sorte de monopolie ou comme ça pour un seul pouvoir et deux pouvoirs. Parce que maintenant, en Afrique principalement, la France, la Chine, les États-Unis, avec Israël un petit peu derrière, mais si on parle des grands pouvoirs avec du niveau très grand, alors ça c'est les trois pays, les trois grands joueurs en Afrique actuellement. La Russie, bien sûr, par rapport à ses ambitions politiques et économiques, maintenant elle se trouve en Syrie, elle se trouve dans beaucoup de pays, ok, et aussi il y a des paroles par rapport à des bases aussi militaires dans la mer Rouge, comme ça, avec quelques pays. Donc alors, la Russie voulait s'introduire avec les Africains. Les Africains maintenant, ou l'Afrique en général, c'est un continent très riche de richesses naturelles. C'est même avec la période coloniale, beaucoup d'exploitation de l'Afrique, mais toujours à travers des siècles, mais jusqu'à maintenant, même... Cette période misérable pour tous les Africains avec l'exploitation impériale, pas pour le Portugal, les Belges, par rapport les Espagnols, par rapport les Anglais, les Français, et tous ces pouvoirs impériaux. Donc, jusqu'à maintenant, l'Afrique s'est considéré comme un continent vierge, avec beaucoup de trésors, l'or. Bien sûr, en Afrique, ça c'est bien sûr le plus grand réserve dans le monde entier. On a à l'est de l'Afrique, il y a des centres de l'or. À l'ouest de l'Afrique, on connaît bien
tout près de la mer Rouge. Bien sûr, il y a entre l'Égypte et le Soudan, pas loin de Halab et Chalatine. Il y a bien sûr beaucoup de mines d'or là-bas. Et bien sûr, avec uranium, avec beaucoup de choses. Donc toujours, c'est l'Afrique qui attire tous les pays. Mais oui, mais cette phrase que vous venez de dire tout à l'heure, que le continent africain est un continent excessivement riche et que malgré cela, il reste un continent quand même en développement. Oui, c'est donc, ça. Donc, quelle est votre explication pour ce paradoxe? C'est bien sûr l'impérialisme, les colonisations. Toujours, alors les Occidentaux, ils ont beaucoup exploité l'Afrique depuis, on parle de 9e siècle de migration de prophètes, à l'autre sens, 15e siècle avec l'intervention des Portugais, alors en Afrique. Oui, bien entendu, la colonisation a exploité le continent, oui. Mais le continent aujourd'hui, il a beaucoup de richesses. Oui, c'est son état actuel. Et même donc, il a des richesses inexploitées, si l'on peut dire. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas aussi dire que l'influence impériale, c'est fini. Hein. Et même avec l'indépendance de tous les pays africains, alors les pouvoirs impériaux, alors ils ont laissé beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Et même les frontières entre les pays sont considérées comme des frontières très fragiles. Hein. Mmh. Donc des frontières, des fleuves, de mers, des frontières avec des zones chaudes entre les pays et tout ça. Ça, c'est pour faire toujours des sources de tensions. Et quand il y a des tensions entre les pays africains et même des pays avec des frontières, donc l'ancien joueur de la colonisation alors doit être présent. Et même avec l'indépendance de l'Ouest de l'Afrique, de la France, mais jusqu'à maintenant, la France, elle est très présente. Mmh. Alors, Sénégal, le Mali, Tchad, Niger et tout ça. Même mmh. c'est l'indépendance, les années 60, donc on parle d'à peu près 60 ans, à presque 50 à 60 ans, de l'indépendance de l'Afrique encore. Il y a aussi l'influence du pouvoir de Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que ce continent africain se développe? Oui, c'est un défi pour tout le pays. Mais on a des modèles éclatants aussi. Je pense que Rwanda, c'est le top. Mmh. Rwanda, maintenant, c'est un modèle exceptionnel par rapport au développement. Après une période pendant les années 90, où il y avait des génocides, il y avait des problèmes, des massacres entre les Hutus et Tutsis et tout ça. Mais c'était grâce à un président exceptionnel, Paul Kagame. Paul Kagame, c'était un président vraiment héroïque, on peut dire. C'est un héros dans l'histoire de Rwanda. C'est un homme qui vraiment a pu réunir alors le peuple de Rwanda. Il a fait beaucoup d'efforts pour les obliger d'oublier le passé misérable, le passé avec beaucoup de problèmes. Et jusqu'à maintenant, alors on trouve, qu'est-ce qui se passe à Rwanda? Kigali, elle est considérée comme la plus belle ville en Afrique. Elle est classifiée comme ça. La plus propre ville en Afrique. Une des plus propres villes de monde. Maintenant, par rapport au niveau économique, par rapport au développement, Rwanda, elle est considérée un des plus grands 10 pays par rapport au développement économique. Vraiment. Bon, et Paul Kagame, comment a-t-il fait pour entamer cette réforme dans son pays? Oui, mais pour lui, c'est le pouvoir et le vouloir. Le vouloir au début. Il avait d'envie, il avait de vouloir d'oublier le passé. Le passé vraiment dramatique de son pays. Et tous les peuples, tout le monde là-bas, parce que, comme on connaît, Hutu et Tutsi, c'est 80 à 20%. 80 pour Tutsi et 20% pour l'autre, ou plus l'autre. On peut parler du majorité et de minorité. Donc il y avait un passé très, très dramatique. Sanglant. Oui, sanglant, par tous les sens. On parle vraiment avec quelques statistiques. Il y avait à peu près 800 000 morts, alors, qui étaient des résultats des attaques et des tensions comme ça. Bon, mais pour lui, il avait le vouloir, Elle avait un vouloir d'arrêter tout ça. Et le peuple souffrait beaucoup de tout ce qui se passe. Donc, on doit faire une nouvelle page, ok,
pour oublier le passé avec tout ce qui se passe. Très bien, ça c'est clair. Oui. Mais est-ce qu'il avait les ressources à ce moment-là pour justement pouvoir établir un certain développement dans son pays? Aucune ressource. Bon, alors comment, c'est ce que oui, je vous demande, c'est ça. Comment alors, il a fait? Dans tous les pays Est-ce que monde, certains pays l'ont aidé? Est-ce qu'il avait des alliés? Est-ce que les pays africains l'ont aidé? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas d'alliés, alors c'est bizarre. Mais aussi, ils ont bien profité de leur emplacement un petit peu loin de la zone. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de ressources. Avec le passé cinglant, donc les grands pouvoirs, ceux qui faisaient toujours, ceux qui faisaient d'enrichir les tensions entre les minorités et la majorité, tout ça. Donc, ils sont loin de tout ça. Pour lui, principalement, c'était l'enseignement et la santé. Mmh. Ça, c'est deux principes dans tous les pays. Ceux qui ont de vouloir, ils sont loin du, vraiment, de l'impérialisme, la colonisation, les grands pouvoirs, ceux qui faisaient toujours le mal dans les pays. Ils sont loin et en même temps, Paul Kagame, il avait le vouloir de vraiment de débarrasser ou de passer le passé qui était avant. Après ça, on trouve Rwanda vraiment, ça m'étonne beaucoup quand je regarde des reportages et des commentaires sur Rwanda et tout ce qui se passe actuellement, c'est incroyable. Bon. J'imagine pas que je regarde un pays en Afrique, avec la tout Côte ce qui d'Ivoire se passe. Aussi, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle s'est beaucoup développée. Ça aussi. Va là. Non, Rwanda, c'est autre chose. Rwanda, elle a dépassé tout ça. Parce que aussi, la Côte d'Ivoire, tu connais, il y a encore la zone avec aussi la France, tout ce qu'elle a laissé là-bas entre les frontières avec la Côte d'Ivoire, avec les autres pays, Burkina Faso, Sénégal, avec tout là. Il y a des frontières très fragiles entre les pays. Encore, il y a au Mali, c'est pas loin, donc il y a des problèmes dans les pays. Mais Rwanda maintenant, non, c'est un exemple, ça m'étonne beaucoup vraiment. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation et la santé, comme quoi ils avaient commencé par l'éducation et la santé pour justement pouvoir développer leur pays. Oui. Deux questions très pressantes en Afrique, l'éducation et la santé. Mais moi, je vous dirais aussi que peut-être la pauvreté, elle influence ces deux domaines. Elle influence obligatoirement l'éducation, puisque pour envoyer leurs enfants travailler et gagner de l'argent, les parents pauvres préfèrent le faire plutôt que les envoyer à l'école. Et bien entendu, ça va affecter leur santé. Donc comment mettre fin à ce vice, je vous dirais, parce que c'est un vice. Oui, vraiment, avec tout ça, c'est toujours c'est ce qu'on appelle la justice entre tout le monde. Okay, la justice sociale. Oui, la justice sociale par rapport à la distribution de ressources de pays avec tout le monde, sans faire beaucoup comme ça entre les classes sociales dans le pays. Oui, ça c'est une balance, c'est un poids très important. Oui, on a l'enseignement, on a la santé, mais encore, on a besoin de la justice sociale, comme ça. Et je pense avec tout ça, on n'a pas besoin de ressources. Donc, si on regarde par exemple le Japon, aucune ressource au Japon, mais c'est avec les bases comme ça. Les États-Unis, ils ont fait leur développement et leur civilisation moderne et récente avec l'enseignement des universités. Toujours, c'était la clé pour tous les pays, l'enseignement pour le pays. Parce que l'enseignement, toujours, on a un peuple intellectuel, un peuple qui connaît bien comment s'enrichir, ou comment aussi profiter de tout, profiter de temps, profiter de travail, profiter de n'importe. Ça, c'est très important pour la reconnaissance, pour tout ça. Ça, c'est très important avec l'enseignement. Okay? Et puis la santé, ça, c'est bien sûr un peuple en forme, un peuple fêtant, on peut dire ça, donc pour bien travailler et tout ça. Donc, ils ont bien profité, même que c'est un pays pauvre, il n'y a pas de richesse, mais la richesse là-bas, c'est la richesse humaine. La richesse de labeur humaine. Donc l'homme, là-bas, représente la clé pour le développement économique. Donc comment voyez-vous l'avenir des relations entre le continent africain et la Russie? Eh bien sûr, la Russie, c'est un grand joueur maintenant dans le monde. Elle joue partout. Et même, je ne suis pas d'accord avec, bien sûr, son attitude en Syrie, avec tous comme ça. Mais encore, ça c'est aussi nécessaire pour le monde, parce que c'est un seul pôle dans le monde, un seul pouvoir, un seul grand joueur. Ça, c'est aussi une catastrophe. Donc,
On a besoin, même si on n'est pas satisfait de leur attitude dans quelque part, dans quelques parties du monde, mais encore ça c'est nécessaire pour l'équilibre politique alors dans le monde. Et les Africains aussi, ils ont besoin des pouvoirs mondiaux pour leur donner alors les aides économiquement, tout ça, et en même temps les aides économiques, et ça va aussi convertir avec des influences politiques, parce que si on profite dans les grandes organisations politiques dans le monde, pour par exemple si on parle par le Conseil de sécurité, si on parle par beaucoup de choses, donc toujours la politique et l'économie, c'est très important pour se servir les uns des autres. Les Africains ont besoin de la Russie, et la Russie aussi a besoin de l'Afrique aussi, parce que aussi pour profiter, pour l'exploitation, ça c'est logique. Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous donner au lieu de d'avoir l'exploitation que la Russie? Parce que si les grands pouvoirs du monde ne jouent pas pour rien, non, ils ont beaucoup de... Ça, c'est sûr qu'il y a des intérêts. Oui, des intérêts. Mais aujourd'hui, l'Afrique et l'Égypte, ils sont conscients de la relation gagnant-gagnant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des intérêts. Autrement, ils ne s'aventureraient pas à investir dans un continent où ils vont perdre. Oui, c'est ça. Donc, je pense que tout le monde mise aujourd'hui sur la relation gagnant-gagnant. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien sûr un principe que tout le monde profite bien. Et même les Russes, toujours, ils parlent de l'économie. Mais en même temps, l'économie avec la politique. Parce qu'ils ont besoin aussi de votes dans les organisations mondiales et tout ça. Donc, dans quelques moments, la politique, ça aussi, ça doit servir pour... l'économie, ça doit servir pour la politique après. Mmh. Donc, ça, c'est le plus important maintenant, c'est pour le niveau d'équilibre. Alors, comment aussi faire un équilibre par rapport à tout ce qu'on donne les Russes et en même temps que les Russes nous donnent. Alors, de quelle limite? Est-ce que les Russes, ils veulent faire juste de base militaire dans les pays africains, okay, dans les zones stratégiques de la mer Rouge, d'aussi l'est de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique, aussi au centre ou dans les zones où il y a des vraies richesses en Afrique avec les mines d'or? Tu connais là, jusqu'à maintenant, presque en Afrique, au nord de l'Afrique et aussi à l'ouest de l'Afrique, l'est de l'Afrique, en Nubie, en Égypte et tout ça, il y a les gens qui cherchent l'or, il y a des ressources qui restent dans la terre de l'Afrique. C'est une terre très riche. Mmh. Et les Russes, bien sûr, que reconnaissent bien par rapport à l'exploitation. Oui, et c'est pour ça qu'on a dans cette région des mines d'or qui datent depuis l'ère pharaonique dans la région. Bien sûr, donc ça, les pharaons le savaient déjà qu'il y avait de l'or. Le savaient, ils ont bien exploité. Mmh. Et bien sûr, l'exemple, par exemple, Toutankhamon, alors ça a été bien sûr exploité. Alors, ils ont exploité les mines d'or d'Égypte, sauf que c'est juste un exemple. Mais encore, d'après quelques statistiques scientifiques, on a en Égypte à peu près 100 mines d'or en Égypte. Ce carré, c'est juste un exemple qu'on a exploité. Mais il y a encore dans la terre d'Égypte beaucoup de ressources. Toutankhamon, c'est le pharaon le plus modeste, tout ça. On a trouvé sa tombe en 1922, à peu près 5000 objets, or massif en bois recouvert d'or. Donc c'est juste un... Dans les textes égyptiens, alors, il y avait un roi de la Mésopotamie, Séléra, qui a envoyé un message pour Amenophis III. Il lui dit quoi? Alors, au pharaon d'Égypte, on connaît bien que l'or en Égypte comme la poussière. Ça, c'est incroyable. Même les autres rois des autres pays reconnaissent bien les richesses d'Égypte jusqu'à ce moment. Et même la zone, la Nubie, par exemple, ça c'est au cœur de l'Afrique. Je voudrais juste m'arrêter là. Comment se fait-il que l'or ne soit pas encore assez exploité en Égypte? Et c'est bizarre, moi, ça m'étonne beaucoup. Okay, qu'il y a Sokari, la seule mine d'or, il y a encore beaucoup alors qu'il se trouve. Et peut-être, alors, parce que Halaib et Chalatine, c'est dans la zone là-bas. Okay? Mm-hmm. Parce que cette zone, ça fait partie de ce qu'on appelle la grande Nubie. Mm-hmm. Nubie, ça vient de Noub. Mm-hmm. Noub, en égyptien, l'or. Mm-hmm. C'est la terre de l'or. Mm-hmm. La Nubie, c'est au cœur de l'Afrique. Il y a la Nubie égyptienne depuis Aswan jusqu'à la frontière avec le Soudan, à Wadi Halfa. C'est... C'est ce qu'on appelle la basse Nubie. Il y a la haute Nubie depuis la frontière jusqu'à Khartoum. Okay? Toute la zone-là, il y a beaucoup de mines d'or là-bas. En Égypte uniquement, comme déjà dit, à peu près 100 mines d'or. Et le gouvernement n'a pas de plan actuel pour commencer l'exploitation de l'or? J'aimerais. C'est un appel pour le gouvernement égyptien alors de faire l'exploitation pour les mines d'or à l'est. Parce qu'on a des cartes. On a une carte de l'époque de... C'était premier.
le père de Ramsès II, qui nous donne les emplacements, ok, de mines d'or en Égypte. Une carte de l'époque des pharaons jusqu'à maintenant. Et ça, c'est très connu. Vous pouvez voir sur Google la carte de mines d'or en Égypte de Séti Ier. Alors, tu vas trouver une chose incroyable. Et aussi, il nous parle de... Ça, c'est de même au cœur de tout ça, il y a Soukari. Mais il y a aussi beaucoup à côté. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ces sites aujourd'hui? Ah, mais c'est au désert, au fond des déserts et tout ça. Et peut-être c'est à cause du conflit entre l'Égypte et le Soudan par rapport à Halaïb aussi. Peut-être ça ne donne pas de la grande chance pour faire l'exploitation. OK? Mais en Égypte, c'est, y a des grandes richesses. L'Égypte et le Soudan en même temps. Bon, on voudrait quand même, avant de terminer, parler aux relations qui sont assez privilégiées entre l'Égypte et la Russie et qui datent quand même depuis longtemps. Oui, on parle avec, bien sûr, Nasser. Il était contre les États-Unis. Et bien sûr, l'autre pouvoir, c'était la Russie. C'était logiquement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de liens économiquement, politiquement et tout ça. Et je pense aussi maintenant, on parle de Adaba. Ça, c'est très connu, bien sûr, avec le lien pour les Russes de aider l'Égypte. Ça, c'est de faire une station nucléaire là-bas, à Daba. Et bien sûr, avec aussi beaucoup d'autres investissements avec l'Égypte. Et pour ça, l'Égypte... Et sur le plan militaire Et sur le plan militaire. Ah, bien sûr, oui, oui. En même temps, je pense que les Russes, alors, ils vont profiter avec leur lien de l'Égypte pour l'Égypte d'être, alors, une entrée vers l'Afrique. Et en même temps que l'Égypte, elle est la présidente de l'Union africaine. Donc, ils sont très intelligents de choisir ce moment, okay, de faire cette conférence pour ça. Qu'est-ce qui a fait ce retour des relations entre l'Égypte et la Russie, à votre avis? Oui, ça c'est très important, parce que toujours quand l'Égypte, juste avec les États-Unis, ça c'est un problème. Et quand il y a un seul pouvoir dans le monde, même si on n'est pas d'accord avec deux pouvoirs, trois pouvoirs, et comme ça, avec leur façon dans le monde, ça c'est pas bien. Mais aussi, donc si on cherche avec l'affaire la moins pire, donc s'il y a deux pouvoirs dans le monde, aussi ça c'est très important. Parce qu'aussi, on a besoin de tous les grands pouvoirs du monde, pas uniquement des États-Unis. Et ça, c'est pour aussi, pour ne pas faire beaucoup de pression, parce que s'il y a uniquement de liens très forts avec les États-Unis, ce n'est pas bien. Donc aussi, on a besoin pour les Russes en même temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de deux blocs dans le monde, comme pendant l'ère nassérienne? Je pense aussi avec Poutine, oui. Parce qu'après aussi, la décadence de l'Union soviétique, ok, dans les années 90. Alors, il y avait beaucoup de problèmes, ok, pour la Russie et tout ça. Avec Poutine, c'est un homme très intelligent, vraiment. Il est très populaire dans son pays. Et pour ça, il a voulu de récupérer l'histoire impériale ou l'histoire d'expansion de son pays envers les États-Unis. Je pense, bien sûr, Mais si on parle de l'armement, si on parle de la richesse, si on parle du développement, on ne peut pas quand même dire aujourd'hui que nous n'avons que deux superpuissances dans le monde. Mais non, mais il y a encore. Même les Russes sont un petit peu moins que les États-Unis, mais en même temps, les Russes aussi, ils peuvent faire des décisions importantes. En Syrie, par exemple, alors, elles restent jusqu'à maintenant, les États-Unis... Partie. Alors, les Russes restent jusqu'à maintenant, ils sont tout près depuis le Golfe. Donc, oui, ils ont beaucoup aussi des clés, ils ont beaucoup des outils qu'elles peuvent profiter avec les États-Unis, même ces deux niveaux. Mais encore, parce qu'on exagère beaucoup pour les États-Unis. T'imagines là la Corée du Nord. Toujours, ils ont fait beaucoup de problèmes, c'est un pays comme ça, c'est très drôle. En même temps, ils menacent n'importe où, les États-Unis, mais ils ne peuvent rien faire. Et à la fin, ils étaient obligés de faire des réunions avec le président coréen. Alors, c'est comme ça, les États-Unis, avec un petit pays comme la Corée du Nord. Mais c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une histoire d'intérêt. C'est-à-dire, chaque pays adopte la position qui va de pair avec ses intérêts. Bien sûr, et même avec la Turquie, avec les dernières affaires qui passent, avec l'intervention turque en Syrie, tout ça. Les États-Unis, ils ont menacé tout au début, après, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, on est dans un monde qui ne respecte que l'effort. L'effort. Mais juste pas de parler, non, du fort. Et qu'est-ce qui fait la force? La richesse. Hein? Et c'est la richesse qui fait la force. Mais qui fait aussi, là. Mais qui fait la force, bien sûr, donc, avec des richesses, avec une économie très forte, donc, avec un pays on est stable et tout ça. Dans un monde capitaliste. Bien sûr, ça c'est logique. Oui.
Et est-ce que vous pensez que le continent africain dans ce monde capitaliste aura sa place en s'alliant avec des entités comme la Russie les États-Unis? Mais tu connais là, alors, maintenant, il y a 10 attitudes différentes dans les pays africains. Encore, je pense avec Rwanda, il y a beaucoup de pays qui doivent émettre tout ce qui se passe à Rwanda. Et même les Éthiopiens, même qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils ont fait beaucoup de développement économique, les Éthiopiens. Ils ont bien arrangé les affaires chez eux et tout ça. Donc, il y a beaucoup. Tu parles aussi avec la Côte d'Ivoire, il y a aussi Sud d'Afrique. Donc, il y a beaucoup aussi de pays qui commencent, mais aussi ça a besoin de patience, ça a besoin de longtemps pour les autres pays africains aussi de faire les mêmes attitudes par rapport au développement économique et tout ça. Mmh. Mais je pense maintenant l'Afrique sur le bon chemin vers tout ce que les Africains veulent. Mmh. Et du point de vue africain, qu'est-ce que les Africains attendraient de la Russie? Alors, normalement, l'économie, alors, ok? Et en même temps... L'économie, c'est-à-dire? L'économie, donc, de faire des projets. Mmh. Et ça, c'est que l'Égypte a beaucoup manqué. Alors, pendant les dernières années, les 30 ans, comme on dit là, pendant les tout ce qui avant 2011, avec Moubarak et tout ça, oui, il y avait beaucoup de négligence avec l'Afrique. Les Africains ont besoin aussi de s'approcher, mais pas uniquement de parler qu'on est des amis, qu'on est des frères. Non, il faut faire des projets. Je pense maintenant, oui, il y a beaucoup des entreprises égyptiennes qui travaillent dans les pays africains et comme ça. Mais on doit concentrer notre intérêt ou les entreprises égyptiennes dans le bassin de Nil. Parce que ça, c'est l'essence pour l'Égypte, c'est le destin pour l'Égypte, le Nil. Mmh. Donc on doit être tout prêt. Parce que si mais il y a quand même eu, outre la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, avant même la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, l'Égypte quand même, pendant les 4 dernières années, a eu des relations quand même assez privilégiées ou qui se sont développées avec l'Afrique. Oui, ça va, mais encore, on a besoin de plus. Mmh. Par exemple, par rapport à l'histoire africaine, parce que je suis un spécialiste de l'histoire africaine, on a besoin d'un département de l'histoire de l'Afrique dans toutes les facultés de lettres. Mmh. C'est important de savoir l'histoire de notre continent. Et en même temps, de respecter les Africains. Les Africains, mmh, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup d'amis africains, ils ont problème par rapport les films en Égypte qui parlent par rapport aux Africains, avec des façons. Alors, c'est toujours comme ça. Donc, on a besoin aussi d'une prise de conscience un peu plus approfondie. Oui, c'est ça. Pour rétablir ces relations fraternelles et amicales avec l'Afrique. Bien sûr, avec l'économie. Mais je pense que le ministère de la Culture et outre les conférences de la jeunesse et les conférences de la il y avait un forum pour la jeunesse arabo-africaine. Oui. Je pense que ça, ce genre de manifestation, il va contribuer justement à approfondir. Ça va. Mais encore, donc on parle de un petit mouvement, donc on a besoin des autres aussi. Maintenant d'ici, alors avec toi, j'appelle. Alors, le gouvernement égyptien de faire un département de l'histoire de l'Afrique dans toutes les facultés de lettres. Mmh, on l'espère. En tout cas, docteur Ismail Hamed, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.